Est-ce que tu peux, Romain, nous dire dans le chat, me dire si c'est quand c'est lancé pour toi? De toute façon, je vois sur notre fenêtre. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent en ligne. Merci d'avoir cliqué ce soir. Moi, je suis Juliette, je travaille chez Haute Fidélité, qui est le pôle régional musiques actuelles en Hauts-de-France. Et on organise toute cette semaine, du coup, accès libre en ligne. Donc, il y aura 5 mini-conférences et une table ronde toute la semaine en fin d'après-midi. Vous pouvez retrouver tout le programme dans l'événement Facebook. Accès libre, c'est organisé dans le cadre du festival Haute Fréquence, qui est porté par la région Hauts-de-France. Et puis, pour vous dire un petit mot rapide du timing de ce soir, on commence avec une première mini-conférence, là, dans un instant, qui va durer jusqu'à 19h. Ensuite, on marquera une petite pause de 10 minutes à un quart d'heure. Vous pourrez rester en ligne, c'est le même lien. Et puis, il y aura une seconde mini-conférence qui arrivera à 19h15 jusqu'à 19h45 autour de la résidence. Voilà. Au niveau des questions, interactions, n'hésitez pas à réagir en commentaire, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Moi, je vais faire l'intermédiaire entre vous, Thomas et Nicolas, qui interviennent là ce soir, pour leur faire passer vos questions. Donc, surtout, ne vous restreignez pas. Je surveille et je fais passer. Ils répondront aux questions à la fin de leur intervention. Voilà, je vais laisser la première conférence se lancer avec Thomas Blancard pour Walk This Way et Nico Lefebvre pour La Cave aux Poètes. Voilà, à vous. Ok. Eh bien, je me permets, je me lance. Donc, Thomas Blancard, pour faire un topo très rapide sur mon parcours, j'ai été programmateur de salle de concert pendant une dizaine d'années. Une salle de concert qui s'appelle les 4 Écluses à Dunkerque, dans laquelle j'étais aussi chargé d'accompagnement des groupes et dans laquelle j'ai développé une activité de coaching scénique que j'ai démarré en tant qu'auto-entrepreneur depuis maintenant un an et demi. Donc, mon cœur de métier, c'est vraiment l'accompagnement artistique, aider les groupes et les artistes à développer leur univers dans le domaine du live. Pourquoi j'ai été intéressé par cette proposition de Haute Fidélité à intervenir sur l'accompagnement, c'était ça partait d'un constat qui faisait que quand je parlais avec des groupes ou des artistes de leur musique, souvent ils commençaient leur présentation par plus parler de leur CV et de la structuration de développement de carrière du groupe, c'est-à-dire le nombre de concerts qu'ils ont fait, où est-ce qu'ils ont joué, quelle salle les a éventuellement programmés, quel festival, et très rarement ils me parlaient de leur musique. Et c'est un peu ce qui me choque un peu de temps en temps aujourd'hui, c'est qu'on ne demande plus au groupe de faire de la musique, on leur demande de vendre un projet, d'être des entrepreneurs. Donc ça m'intéressait de justement intervenir sur ce sujet pour pouvoir un peu recadrer certaines choses. Bonsoir, moi je suis Nicolas Lefebvre, je suis le directeur de la Cave aux Poètes à Roubaix depuis maintenant 8 ans et j'exerce aussi des fonctions de programmation et d'accompagnement étant une petite structure de la métropole lilloise. Pour résumer très vite, j'ai un parcours assez particulier puisque j'ai commencé par être artiste, puis producteur de spectacles, et puis j'ai monté un label également, puis j'ai eu des studios, puis un festival, enfin j'ai fait beaucoup de choses. On en reparlera à travers la notion d'accompagnement dans les échanges avec Thomas. Il est important ici là que sur cette demi-heure on rappelle un peu l'importance de ce qu'est l'accompagnement artistique, hein. On n'est pas ici pour du développement de carrière. Qui va être un autre niveau de discussion et sur lequel on n'aura pas du tout le temps d'intervenir en 30 minutes. Voilà, développement de carrière, on ne peut pas parler d'une carrière en 30 minutes, c'est compliqué. On va juste aborder quelques notions effectivement sur l'accompagnement artistique et puis surtout rappeler qu'on va faire un focus sur ce qu'on appelle la pensée sensible autour de la création. C'est-à-dire que là, effectivement, on est dans le processus artistique qui a ses particularités et qui a aussi des méthodes qui ne sont pas toujours immuables dans la manière d'avancer. Donc, on est là pour parler création, avant tout. Et après, ce que je voudrais amener comme premier point aussi, c'est qu'on est dans une société qui a évolué. On parle beaucoup, comme dit Thomas aussi, de son CV et de tout ce qui peut inclure
autour de, d'un groupe et de ses références. Mais c'est vrai que la notion de groupe, par exemple, elle est aujourd'hui presque illégitime dans le sens où, bah, comme dans la société, avant, on se mariait pour la vie. Maintenant, quand on fait un groupe, eh ben, on n'est pas forcément un groupe comme les Rolling Stones. Voilà. On a tendance aussi à développer cette notion dite de projet artistique. Voilà, et c'est un terme qui, moi, à chaque fois, me fait réagir, puisque, en fait, voilà, moi-même, dans ma façon d'intervenir, dans ma façon d'envisager mon boulot de coaching, c'est un terme avec lequel j'ai un peu de mal et que j'essaie même d'éliminer de mon vocabulaire hein, quand je m'adresse au groupe que j'accompagne sur une scène. Parce que c'est vrai que la notion de projet me ramène vite à une notion de discours entrepreneurial qui peut me gêner. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un gros mot de vouloir faire carrière dans la musique et que c'est très bien de vouloir entreprendre des choses. Il y a même des groupes qui l'ont fait dans les années 80, dans les années 90 et 2000 qui ont développé leur structure de production, qui ont été au-delà de leur simple carrière artistique. Mais le terme de projet, c'est quelque chose qui s'est un peu inséré dans toutes les sphères de la société où on ne demande plus aux gens de faire des choses, on leur demande de monter des projets et d'évaluer la réussite de ces projets un peu comme des notions de vente, en fait, comme des notions commerciales et uniquement commerciales. C'est ça qui me gêne. Alors après, la notion de projet, c'est aussi la notion de désir, hein, y a pas de souci. Hein, c'est ce que je note aussi. Dès qu'on est petit, on nous demande de nous projeter, de savoir ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on veut faire comme métier plus tard. Et je trouve ça bien qu'un musicien ou un artiste puisse se projeter, c'est-à-dire imaginer un futur avec sa pratique. Mais je mets en garde contre ce terme quand il se rapporte trop à la notion commerciale de la chose. C'est vrai que le mot projet, c'est un mot un peu valise. Il peut être court, il peut être moyen, il peut être long terme, il peut être un projet de vie, un projet d'entreprise. Puis c'est vrai que si on revient sur la définition première du mot entreprise, l'action d'entreprendre quelque chose, de commencer une action, en fait, c'est vraiment un verbe d'action qui peut s'appliquer à la création. Hein. On est vraiment en train de créer quelque chose, donc de produire de la richesse intellectuelle. C'est vrai que ce mot aujourd'hui, on le rattache forcément à l'économie, à l'agriculture, à l'industrie, à l'économie du service. Enfin, voilà. Alors que il faut lui rappeler quand même qu'il a un sens premier qui est plus intéressant. Et comme tu disais, ce qui est intéressant, c'est que l'important, c'est vraiment l'outil du désir artistique derrière ce mot. C'est comment il s'écrit, comment, quand on démarre un projet artistique, on va utiliser des outils, qu'on soit artiste solo ou en groupe, utiliser des outils, esquisser, faire des esquisses musicales, utiliser des cahiers de tendances musicales, multiplier les rencontres, faire des maquettes sur des pré-productions, une, voire deux, voire trois, voire quatre versions différentes. Donc, tous ces outils-là sont assez important dans la base de l'accompagnement artistique et la genèse des projets. Ouais, et on reviendra peut-être sur le terme d'ailleurs d'accompagnement, on y reviendra plus tard, mais justement, en fait, quand je parle de dérive, c'est justement même dans la tête des groupes et des artistes, quand on voit dispositif d'accompagnement ou quand un artiste dit qu'il est accompagné par une salle, par exemple, tout de suite, pour lui, l'accompagnement, ça va porter sur justement qu'est-ce que ça peut lui apporter en termes de visibilité, en termes de stratégie, de tips, de choses à aller chercher, plus que de comment est-ce que l'accompagnement, ça peut m'aider à mieux m'épanouir dans ma pratique artistique, même en tant qu'individu, en fait. Et c'est là où la notion de projet, d'ailleurs, ça peut être intéressant de la questionner aussi. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, on ne fait plus de carrière avec un seul groupe, ou en tout cas très rarement. Et c'est aussi d'accepter l'échec, en fait. Et cette notion de l'échec, tu vois, elle est rarement présente dans les dispositifs d'accompagnement. C'est-à-dire que souvent, même des groupes vont être accompagnés, très visibles pendant un an ou deux, puis entre guillemets, s'il n'y a pas l'intermittence au bout, s'il n'y a pas une réussite immédiate ou en termes de carrière, c'est des groupes qu'on va
du coup plus forcément aider derrière. C'est-à-dire que on va considérer que le train est passé, que bon, c'était pas le bon moment pour eux. Alors, il y a d'autres carrières qui ont prouvé que c'était faux, qu'en s'accrochant, en prenant d'autres biais, ben, ils pouvaient peut-être y arriver. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça devient même un business, en fait, cette notion d'accompagnement, puisque d'accompagnement de carrière, en fait, ça devient un business. C'est ce que je dis souvent. Moi, je prends l'exemple de la plateforme Grover, quoi. C'est-à-dire que on vous vend du contact avec des professionnels, c'est-à-dire qu'on vous vend la capacité à vous mettre en relation avec des pros, moyennant finance. On vous vend aussi des formations pour mettre en place, pour comment dire, pour vous donner les clés de compréhension de ce secteur. Et moi, j'ai vraiment un peu de mal avec le fait que ça spawnaye. La connaissance et le réseautage. Alors après, c'est important pour un artiste de savoir se situer, hein, dans un écosystème et de savoir où il se situe. Mais le problème, c'est l'illusion qu'entretiennent en fait ce genre de dispositif, à savoir que en fait tout le monde peut réussir dans la musique si tant est qu'il ait la bonne stratégie et la bonne com, en fait. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, sur les différents outils qui sont apparus maintenant, on est quand même face à une masse et à une facilité de création musicale aujourd'hui, même par rapport à il y a 40 ans. C'est facile d'enregistrer quelque chose. Il y a 30, 40 ans, il fallait aller en studio, enregistrer, sortir un vinyle. Enfin, tout était complexe, quoi. Donc, il fallait vraiment avoir envie. Aujourd'hui, on a du coup une pluralité, une diversité de musique qui est intéressante, mais qui est pas entendable. Donc du coup, il y a une espèce d'entonnoir qui s'est formé, qui fait le tri un peu dans ce que la profession pourrait juger entre les projets intéressants ou pas, pour ce qu'on appelle la musique d'aujourd'hui, la musique du moment. J'aime bien les Islandais, ils disent toujours la musique de l'instant aussi. C'est un truc spontané, quoi. Voilà. Et ça, c'est intéressant de le voir sous notre terme musique actuelle un peu large. Mais en même temps, c'est un entonnoir dont on fait partie, hein, Thomas. C'est ça aussi qu'il faut voir. Mais cet entonnoir, c'est pas non plus un diplôme de l'ENA en musique qui donne droit à une carrière dans les plus grandes maisons de disques. Donc il y a pas de modèle. On a deux exemples dans le Nord. Si je prends l'exemple de Skip the Use, qui s'appelait Carving avant et qui a été accompagné du temps de Bénédicte à la Cave aux Poètes, qui est rentré dans des dispositifs d'accompagnement, voilà, jusqu'à une signature chez une major. Et puis à côté de ça, si je prends Marcel et son orchestre, qui n'a jamais bénéficié du moindre dispositif d'accompagnement, a quand même réussi à un moment donné à un projet artistique voilà, qui avait du sens. Et qui a pu aussi également très bien fonctionner dans leur modèle économique aussi très particulier. Donc, ce qui me paraît important, c'est aussi on parle d'accompagnement artistique, et une fois qu'on a bien ciblé son projet, utilisé les outils, c'est dans quel modèle on a envie de le développer, qui est cohérent avec ce qu'on est en tant que personne aussi, et de l'entourage nécessaire. Ouais, alors, je reviens sur ce que tu viens de dire. Alors, l'entonnoir, par exemple, moi, j'en fais partie sur un pan de mon activité, hein, puisque je suis aussi conseiller artistique des Inouïs du Printemps de Bourges. Et effectivement, là, quand on chapeaute des jurys de sélection, de groupes, dans un dispositif de visibilité et de développement de carrière, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, je fais partie de cet entonnoir et de cette sélection un peu dure, même des fois. Par contre, c'est vrai que dans mon activité de coach scénique, pas du tout. Tu vois, c'est là où, clairement, l'accompagnement artistique, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec le développement de carrière. Je peux très bien travailler avec des groupes amateurs et des artistes qui n'ont absolument aucune envie de se professionnaliser et où, du coup, on remet l'art et la musique au centre des choses. Je reviens aussi sur ce que tu disais sur Marseille et son orchestre. C'est un super exemple, et je connais plutôt bien parce que j'ai travaillé avec eux. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des groupes qui, justement, ont eu cette démarche d'aller au-delà de leur musique et de se structurer, de monter leur boîte de production, qui s'appelait Meso,
de monter leur propre label qui s'appelait la Grosse Madame, il me semble. Et en fait, voilà, qu'un artiste aille au-delà de l'art, ça ne me dérange pas. Mais d'ailleurs, justement, même Marcel, au bout d'un moment, ils se sont retrouvés un peu bloqués. C'est-à-dire qu'il y a aussi un entourage qui s'est mis autour. Et c'est ça qui peut être un peu gênant quand on parle absolument de l'artiste entrepreneur, c'est que ça fait oublier qu'il y a des gens qui sont autour et qui sont des vrais développeurs et qui se sont formés et qui sont des gens qui vont quand même être dans l'ombre, qui vont vouloir mettre leur énergie, leur temps et surtout leur argent, quand on parle des producteurs ou des tourneurs. S'il y a des gens qui kiffent votre musique, ben là, oui, il y a des gens qui vont être prêts à donner de leur temps, de leur énergie et de leur argent sans être les gens qui vont être sur scène. Et le problème de mélanger un peu tous les rôles, c'est qu'un musicien, il a ce que n'aura jamais un développeur d'artiste, un manager, un tourneur, c'est du recul sur sa pratique. Eh bien, ça, c'est la notion d'artiste-entrepreneur. Hein. Ça pose la question de la bonne utilisation pour avoir été effectivement par le passé un artiste entrepreneur. ça fait appel au cerveau droit, hein, notion d'espace, à penser sans langage, le rêve, l'imagination, puis le cerveau gauche hein, qui permet de gérer le temps, de calculer. Alors, pour les artistes entrepreneurs, je dis auto-entrepreneurs, mais les artistes entrepreneurs, c'est certain qu'il y a des méthodes d'organisation qu'il faut mettre en place par rapport à ça pour pas perdre de vue l'artistique notamment parce que c'est le plus grand danger en tout cas. Et après, c'est vrai que sur la notion de recul nécessaire à la profession, bon, il y a toujours cette phrase un peu rigolote que j'aime bien d'Émile dans La Cité de la Peur, c'est on peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper 1 fois 1000 personnes. Enfin, vous le prenez comme vous voulez. Mais ce qui est certain, c'est que la capacité aussi d'écoute, ce que tu appelles le recul, que je traduis moi comme une capacité d'écoute d'un artiste, c'est-à-dire qu'à la fois, il ne faut pas être l'artiste qui, à chaque fois qu'on lui dit quelque chose sur son geste artistique, le change, c'est un mot qui lui a dit, voilà. Et à la fois, il faut être capable en même temps de se dire, tiens, j'ai fait 15 concerts, 12 fois, il y a un mec différent qui est venu me dire un truc à propos de ça. Peut-être qu'il faudrait que je regarde, voilà. Ça, je pense que c'est un peu le juste milieu pour faire avancer un peu son projet artistique et essayer de pas nous écouter, Thomas, moi, à un instant T, mais plutôt d'essayer de globaliser un peu les expériences et les relations que vous avez. En dehors des techniques, hein, je parle bien d'artistique, parce qu'après, dans l'accompagnement, il y a aussi beaucoup de techniques qu'on pourrait faire l'objet d'une autre conférence sur une sorte de boîte à outils. Voilà. Mais c'est vrai que l'essentiel, c'est vraiment pour l'artiste aujourd'hui de se concentrer sur son projet en tant que tel, avant d'imaginer un développement de carrière, avant de... Ouais, puis comme tu dis, écouter la voix d'une personne à un instant T, ça peut être intéressant à enregistrer, mais forcément, si quelqu'un donne son avis, c'est-à-dire c'est là où la notion d'avis ou d'opinion est importante, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un en qui on met une certaine légitimité, ça ne reste que son opinion, son avis qui est construit par qui est construit par un parcours d'écoute, un parcours de vie aussi, donc qui ne correspond aussi au final qu'un individu. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, dans ma façon d'envisager le coaching, c'est de pas du tout être dans l'opinion et dans la vie, mais d'être vraiment dans le questionnement, de partir de l'artiste, de partir de l'individu, de partir de ce qu'il a envie de dire. Et c'est ce que j'ai un peu envie de dire aux musiciens aujourd'hui, c'est-à-dire que il faut avant tout se poser les bonnes questions, de savoir quels univers on a envie de défendre, quelle musique on a envie de faire, se raccrocher des fois à des univers un peu picturaux, des univers sonores, des esthétiques particulières. Mais moi, j'utilise beaucoup les métaphores, même filmiques ou même culinaires, pour essayer de creuser un peu le propos des artistes quand on travaille ensemble.
poser aussi la question des influences. Ça, je pense que c'est quelque chose qui te parle aussi, tu vois, Nico, sur le fait qu'un artiste doit être curieux. C'est la question des influences qui vous guide dans cette recherche et dans cette pratique. Savoir si on arrive aussi à suffisamment s'en détacher, hein, pour ne pas être dans juste le copycat. Dire aussi d'aller écouter de la musique et voir des concerts. Alors, bon, en ce moment, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. C'est un peu compliqué, mais ça permet d'aller voir d'autres gens, c'est aussi de comprendre d'autres vocabulaires, voir d'autres pistes que celles que vous suivriez naturellement, en fait. Non, bah, c'est clair que parfois, le rythme d'un artiste qui crée beaucoup, répète beaucoup, peut lui faire perdre aussi le temps dédié à l'inspiration, c'est-à-dire aller voir des concerts, aller au cinéma, lire un livre, marcher dans la forêt. Björk, elle explique souvent que quand elle veut avoir envie d'écrire, elle va marcher dans la neige pendant des heures en Islande. Donc après, on comprend un peu mieux pourquoi c'est un peu barré ce qu'elle fait. Et voilà, donc tout ça a des explications. Et je pense que ce temps-là, il est hyper important sur cette notion d'accompagnement et de respect aussi, hein, du rythme de chacun, de ça. Et puis, voilà, c'est la nature, en tout cas, du projet artistique, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Après, il y a mille et une manières de construire derrière. Ouais, et du coup, je reviens sur le thème, la thématique de la question, hein, c'est sur l'accompagnement. Et ben voilà, pour moi, l'accompagnement, un bon accompagnement, c'est justement de pouvoir aider l'artiste à faire ce cheminement intellectuel, c'est de l'aider à se poser les bonnes questions, de pousser sa réflexion sur sa singularité en tant qu'artiste. Et alors, quand je dis artiste, c'est aussi bien compositeur, mais ça peut être interprète aussi, hein. Il y a l'interprétation depuis 1985 est même reconnue en termes de droit. Alors bien sûr, dans les dispositifs d'accompagnement qu'on peut trouver dans des salles ou dans des métropoles ou dans des régions, un endroit, ça peut être de faire le lien avec des partenaires professionnels et des développeurs dont on estime que la musique qui est produite par l'artiste qu'on accompagne, ça peut les intéresser, et d'essayer d'activer des leviers comme ça de développement de carrière. Mais je pense que déjà, on ne peut rien promettre en termes de résultats, puisque comme je le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, s'il y a des gens qui veulent passer leur temps et leur énergie à défendre votre groupe, c'est bien parce qu'ils kiffent votre musique, et ce n'est pas par stratégie commerciale ou pour des... Ouais, voilà, c'est pas par stratégie commerciale. Voilà, si vous êtes un groupe et que vous faites de la musique intéressante, pour moi, il y a pas besoin d'aller, enfin voilà, vous n'aurez pas besoin d'aller sur Groover et de payer 2 € pour qu'un pro vienne poser une oreille dessus. En fait, au bout d'un moment, le bouche à oreille, ça se sait. Justement, les professionnels comme toi, Nico, je pense que vous passez rarement à côté d'un truc que vous ne voyez pas venir. C'est-à-dire que il y a quand même des rumeurs positives qui s'installent très vite autour d'un artiste quand il fait des concerts intéressants. Alors, c'est vrai que tu l'as dit aussi, la pratique du home studio et la facilité à produire aujourd'hui a un petit peu remis ça en cause et a remis peut-être un petit peu derrière les prescripteurs. C'est-à-dire que maintenant, YouTube fait partie des prescripteurs, les blogueurs, les twitchers font partie des nouveaux prescripteurs. Mais n'empêche que, voilà, au bout d'un moment, même ces gens-là, s'ils kiffent votre musique et s'ils en parlent, c'est bien parce que, tout simplement, ça leur plaît, quoi. Et puis... un entourage professionnel se positionnera que à ce moment-là. Ouais. Alors, bon, nous on arrive un peu au terme là de notre présentation en binôme. Bon, je vous avouerai que ça fait un peu comme si on était dans une salle de conférence et qu'il n'y avait pas de public, hein, donc c'est un peu bizarre. Alors, que pensez-vous de la place du manager? Ça, c'est une question, Thomas. Que penses-tu de la place du manager? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est même moi-même qui suis depuis peu manager d'un groupe qui s'appelle Johnny Carwash, qui est à Lyon, je découvre en fait cette place de manager. Donc, en fait, c'est une place qui est celle qu'on veut bien lui donner, en fait. Moi, j'ai choisi d'avoir une place avec pas mal de recul par rapport au groupe et à sa création, c'est-à-dire que je ne fais aucune ingérence sur l'artistique. Ça rejoint aussi ce que je disais à l'instant, hein. Moi, j'ai voulu manager ce groupe juste parce que j'ai kiffé leur musique, en fait, et que ça m'a rappelé. J'ai eu une vraie Madeleine de Proust en écoutant leur musique. Ça m'a rappelé plein de trucs grunge, garage que j'écoutais quand j'étais ado. Et voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce groupe, dans un an, on n'en entende plus parler. Donc,
justement. J'ai envie qu'ils se concentrent sur la musique et que moi, je gère tout le côté un peu chiant de relations aux partenaires et au développement de carrière. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire par ailleurs. C'est-à-dire que je ne fais pas de coaching scénique ou d'accompagnement artistique avec les Johnny Carwash. Pour le coup, là, je fais juste le sale boulot. Oui, c'est un peu un spécialiste en rien, généraliste en tout des métiers de la musique, parce que c'est vrai qu'un manager doit avoir cette capacité à comprendre un contrat d'édition, un contrat phonographique, discuter avec un label, une agence de presse, enfin, vraiment ce côté très, voilà, très 360 autour de l'artiste. Et autour de l'artiste, c'est important parce que je pense qu'il y a aussi un lien de protection. Le manager peut aussi prendre en lieu et place des artistes, voilà, les coups qui des fois font un peu mal. Enfin, moi, je me souviens que je me suis managé moi-même une partie et que c'est vrai que c'était compliqué quand des articles n'étaient pas très cool. Enfin, c'est compliqué quand l'artiste répond directement. Voilà. On est là aussi pour faire le tampon, quoi. Ouais. L'accompagnement, un passage obligé, alors ouais. Ma réponse est claire et pourtant je pourrais essayer de vendre ma soupe, hein, mais l'accompagnement artistique n'est pas du tout un passage obligé. C'est même des fois défini par le projet artistique même. Enfin, moi je vois mal Guérilla Poubelle aller faire un accompagnement scénique parce que justement le propos artistique et leur projet artistique, c'est aussi le côté très brut, très spontané, de pas vouloir aussi de faire des lights et de jouer sur une lumière blanche fixe, d'en avoir rien à foutre de faire des résidences de scéniques et d'être vraiment dans ce côté brut et spontané, ça fait partie du projet artistique. Donc l'accompagnement scénique n'est pas du tout un passage obligé, l'accompagnement artistique n'est pas du tout un passage obligé, ça peut faire par contre gagner du temps à des groupes, à des artistes. Des choses qu'ils vont peut-être comprendre en 40 ou 50 dates sur leur réglage de son. Tu parlais de l'accompagnement technique aussi tout à l'heure. Et ben peut-être que voilà, on est une résidence avec un bon intervenant. Voilà, ils vont peut-être le comprendre beaucoup plus vite. Mais c'est pas un passage obligé. Carrément. Ensuite, il y a une question qui est OK pour groover, mais quid du travail des RP? Ah, pour Groover, ouais, ça c'était mon petit taquet sur Groover. Eh ben, quid du travail des RP, comme voilà, encore une fois, c'est un moment, c'est un métier, développer un artiste. Donc du coup, si à un moment votre projet intéresse des gens, il y aura la possibilité, ne serait-ce que d'aller chercher des financements et même de devoir financer ce genre de prestations en termes de relations publiques avec ses sous. Alors après, si tu parles je ne sais pas si cette personne parle plutôt de relations professionnelles vis-à-vis des professionnels, justement, comment démarcher une salle, etc., etc. RP, c'est traduit par relation presse, hein, mais... Ouais, pour moi, c'est relation presse, mais allez, admettons que c'est la relation professionnelle, il n'y a pas de recette miracle, hein. Encore une fois, il y a des gens qui sont très mauvais là-dedans et qui, au final, leur musique parle pour eux et leur carrière se fait naturellement, et mon chat est d'accord avec ce que je viens de dire. Ouais. Il y a une information quand même aussi importante, c'est qu'on est quand même à l'ère aujourd'hui, on reçoit tous trop de mails et trop de choses. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les pros, ils sont dans les salles ou parfois au bar de la salle, on aime souvent, et que si on veut rencontrer à un moment des labels, des tourneurs, des attachés de presse, tout ça, bah, il faut à un moment... aller voir des concerts et puis rencontrer les gens sont là. Moi, comme je dis toujours au groupe, si vous voulez me voir, en fait, ce n'est pas la peine de m'appeler 15 fois au bureau, mais je suis toujours dans la salle. Donc, voilà. Je vais quand même prendre vite fait la dernière question. Là. L'accompagnement, c'est un peu des masterclass. Pas du tout. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout comme ça que je le conçois. La masterclass, c'est un truc très vertical avec quelqu'un qui fait une démonstration un petit peu, qui va donner quelques tips. L'accompagnement, il y a vraiment la notion de faire avec. C'est être au cœur du projet artistique pendant un temps donné et de questionner le projet. En masterclass, on ne vous pose pas de questions, on vous donne des réponses. Voilà, accompagner, ça vient d'un mot latin qui est ad companis, qui veut dire celui qui mange le pain avec. Donc, il y a une notion de partage. Ce qui veut dire aussi que quand on fait de l'accompagnement en tant qu'intervenant, là, comme Thomas ou moi-même, ça veut dire que les groupes nous rendent aussi, nous partagent des choses, c'est important. Donc, c'est pas une relation qui va que dans un sens. Super. Voilà, exactement. Moi, je trouve ça à chaque fois très riche. Je ressors de mes coachings à chaque fois
un petit peu bouleversé de justement de cette intimité qui se crée sur 2-3 jours et c'est toujours enrichissant autant pour moi que pour les groupes. Et merci de nous avoir suivis. Voilà, merci beaucoup et bonne prochaine conférence. Merci Nicolas, merci Thomas.